Bon, bien, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue pour le stream d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le jeu que je vais jouer, c'est Open Wheel Manager, qui est un jeu de gestion de Grand Prix de Formule 1. Donc, où est-ce que on gère une écurie. Donc, un peu comme dans le jeu Grand Prix Manager 2 ou dans le jeu dans Motorsport Manager, que la fois j'ai comme déjà joué sur le stream. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est Open Wheel Manager. Donc, selon moi, ça devrait être bon parce que ce jeu-là, moi, absolument, dans le fond, je suis quand même bien intéressé par ces jeux-là. Donc, c'est ça. Puis, comme que si le jeu, enfin, il est comme, enfin, c'est assez bon pour que je veuille continuer, mais c'est possible que lundi prochain, mais je fasse un stream sur ce jeu-là. Donc, allons-y. Commençons la partie pour savoir si maintenant que ça vaut la peine. Et maintenant que ça vaut la peine, mais lundi prochain, mais. Fait dans le fond, donc, moi, fait que moi, dans le fond, lundi prochain, dans le fond, je vais même, dans le fond, aussi utiliser, dans le fond, l'éditeur pour pouvoir créer ma propre écurie de plus ou ben d'autres cousins. Fait qu'on verra. Fait que là, pour commencer, c'est commençons par voir si l'engin vaut la peine ou pas. Mais première chose à remarquer, il n'y a pas de musique à l'entrée du jeu. Donc c'est quand même spécial. Mais à date, graphiquement, ça rappelle le jeu Grand Prix Manager. Mais j'imagine que ça va être en moins poussé parce que vu qu'il n'y a pas eu le même budget, mais ça devrait être pas si pire, je suis pas sûr. Buffalo, McFly, ben, ok. Donc, Bellucci, techniquement, c'est celui qui est le plus. Non, non, non. Medev. Je pense que Medev, ça fait plus pour en faire. Medev, il a peut-être moins de un pilote, mais c'est vrai que ça donne plus de place pour pouvoir créer ma propre. Parce que McFly, ça va jamais être McLaren, ça. Bellucci, ça c'est Ferrari. Buffalo, ça j'imagine. Oh, lourd. Ça peut pas être William, mais je pense pas. Force Indy, ça doit être sur Force Indy. Fait que Force India, là, la fois l'écurie. En tout cas, la fois la fameuse écurie. Coral. Ça serait la fois Minardi. Donc, comme toujours, eu des bons conducteurs, mais ils n'ont jamais eu le budget, puis ils n'ont jamais eu le bon genre. La Hart. T'as vu la Hart. On comprend que c'est qui qu'on parle. Ça, je suis pas sûr. Ça, c'est une écurie russe. On va aller à Medev. J'ai aucune idée c'est quoi la référence à celle-là, par contre, là. Parce qu'on sait que là, c'est des noms fictifs, mais on voit quand même les références. Mais là, il n'y a pas de musique, y a rien. C'est ça. Es-tu obligé d'être écrit petit de même? Préférence. Tu moyen d'avoir ça plus gros? Tiny. Je vois rien. C'est trop petit. Je vois de quoi là, mais c'est petit en esti. Ça, c'est ma coach back. Ah, ça va à la fin, c'est ça, ok. Les noms russes, donc c'est la fois que je me dis que Medev, c'est pour Mitri, dans le Le dev là. Ben, peux-tu claquer par mon écurie? Ok, ça c'est mon écurie. Ok. Je sais pas si on a du son dans le jeu. Hein. Ben, je parle des courses. Et ça que c'est là, ben. 2019, plein de quoi là, dans le jeu? Regardez, je veux savoir à quelle année qu'on est dans le jeu. On est-tu en 2019? What year are we? The game. Ok, je pense qu'on est de 2019. On est des commanditaires, ok. Wow, pas trop vite là.
Donc, on peut former des jeunes joueurs. OK, c'est ça. Ça, par contre, c'est intéressant. Aussi, j'aime ça le concept que tu peux se choisir, mais j'aimerais savoir plus de détails. OK, mais je peux savoir. Hein? What the fuck? On va voir. Pas clair, là, je veux dire, je pense à faire quoi? Je suis négocié, c'est quoi? Ça, je comprends. J'ai une négociation. Ok. No idea what I'm doing there. On va dire que je sais que je fais, mais j'ai aucune idée ce que je fais. C'est le nom de l'appli qui reste, ok. Et que c'est tout ça. Et bon, la semaine prochaine, je vais vouloir avoir. Il n'y a pas de fiabilité. On peut corriger la fiabilité dans le jeu, comme les autres jeux, je sais pas, hein. Le person, c'est prêt de popper. Pas de personne. L'énigme à reprendre de Tarka, mais ça valait pas la peine. Richardson, un bon poids, mais pas la peine. D'être le person, ça valait la peine. Je sais que j'ai un char pas si pire, donc il faudrait plus avec la fiabilité. Mais je fais quoi ma fiabilité actuellement en ce moment? C'est quoi ça? Ok, ça c'est ce que je peux envoyer dans mon commercial.
Low, medium, high. Ok, les bonus. Ok, je comprends. On va se barre low, là. Fiabilité est vraiment un peu sain. J'ai déjà le moteur cool. Des tu vois, il voir son profil plus précis. Ou bien c'est genre juste ça, c'est skill. Ouais, c'est juste ça, c'est skill. Quelqu'un. Bon, et 3. Suite pour la saison d'après. Sergei Cabana. Sergei Cabana ou l'autre? C'est quoi ça? Speed, je suis moins intéressé. Intéressé aux deux premiers. Peut-être. Je sais pas comment ça marche pour être franc là pour l'instant. Overview, l'autre c'est le. Y'a pas de mécanicien, rien. Juste un designer. Race engineer. Où est-ce que je vois mon race engineer ici? Anti. Psychology, car setup. Moyen de. Parce que Ram White, ça. Negotiation. Deuxième. On peut juste se transférer. T'es obligé de les mettre ensemble. Okay. Ma gauche, ma gueule. Over deck 46. Ça c'est d'être le meilleur pilote de tous les temps. On apprend, comme on dit là. T'as pas dit que c'est un bon engin là. Ça avait l'air bon, mais là, je commence à douter là. Donc ça, c'est le plus bon possible. Ok, cool, on peut augmenter les critères. Okay. Donc là, il y a juste ces joueurs-là. Qui aurait du potentiel. Overtake. C'est pratique quand tu as un char qui est un petit peu en retrait. Quand tu as une écurie qui baigne avant des autres, c'est moins utile, c'est moins pratique.
Peut-être que je m'en fous un peu. Different position, on va voir. Ok. Version, c'est pas que c'est pratique, mais c'est pas nécessairement. Donc, je pense qu'on est dans les bonnes. Donc, ça, c'est Fernando Alonso, j'imagine. Fernando Alonso. Allons-y. Oublié quelque chose? Pour l'instant, non. Ça, je... Ah, qui parle de... Juste en ligne. Bon, allons-y. Juste en réalité. Pour l'instant, ça semble sa vie. Et... Mais je veux savoir, comme, du coup, il y a là mon char. Qu'est-ce qui est pas fiable? iPod. Suspension. Est trop slow. Underbody, sidepod, puis... Et voilà. Là, on devrait s'améliorer considérablement. La fiabilité. Ok. J'ai probablement fait des erreurs au niveau financier que je vais me traiter. Je suis allé trop vite, peut-être. On peut-tu courser? Calendrier, c'est ça. La semaine 7, la semaine 2, là, je veux dire. Négociation avance. Pas que Fernando Alonso. Ça avance. Fernando Alonso, ça avance un petit peu. La production est faite. L'habilité de mon corps devrait être améliorée. J'ai bien compris. Donc on va regarder. Ok. Nice. Yeah, c'est ça. Wow, t'as un peu. On va voir ce qu'il y a. Attention, elle est toujours pas prête, par contre. Je suis pas sûr, je pense que je peux faire sans. J'ai juste à faire attention, pas trop peser sur le gaz.
Donc pour le reste, je l'aurais pas payé, donc je devrais plus focusser sa performance. Sur mes forces, d'ailleurs. La boîte de vitesse. Parce que j'ai un moteur rapide. Électronique, ça devrait être pas pire. Ça, c'est utile pour pouvoir bien piloter. Mais là, pour l'instant, ma priorité, c'est d'augmenter la performance de mon moteur. Box Tronic, c'est une petite affaire là. Et voilà. Et dans la semaine 5, ok, je comprends là. C'est ça, je vais faire beau. Je comprends le concept. Je l'ai pas. C'est juste que pour l'instant, je suis pas à l'aise. Mais j'aurais aimé avoir de la musique. Il n'y en a pas. J'aurais aimé que le fun soit plus gros. Peut-être à plus descendre. Dans, ok, c'est séance de test. La saison commence là. Je comprends. Il n'y a pas d'in-race. Il n'y a pas de gestion in-race? Ok. Bah, je n'avais pas ça non plus. C'est juste que je suis un peu surpris parce que vu que l'auteur, c'est un auteur qui a travaillé sur Grand Prix Manager 2, donc je pensais qu'il y aurait. C'est vrai que c'est pas l'auteur de Grand Prix Manager 2, mais c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur le projet. Donc. Donc, il n'y aura pas de gestion de course. Ok. Comme on dit, c'est le premier essai. Donc, first try. Ok. Pour augmenter ça. Négocier. Association. Un peu avancé. Juste au Brésil. Mais je m'attendais à la gestion de course. Je suis pas mal sûr avec des préférences, c'est ça? Ça, c'est pas Instant Race, quoi. Oh, fuck off. J'ai pas pris personne parce que. Ok, je comprends. Là. Ici, je pourrais prendre un prospect, là, un blue chip prospect. Il n'y a pas de blue chip prospect. Il y a un qui vaut la peine.
être lui. Oh, d'abord. Je vais miser sur lui. Il est 5. Que soit 20. Et 32. Rotation, mais ça pourrait augmenter. 4, ça va. 27, par contre. Et 18 ans. Il aurait voulu qu'il ait 16 ans. Et. Non, je vais prendre Rodrigo de Santos. Yes. Donc là, il va évoluer, puis il va progresser. Puis dans la meilleure qualité des circuits. On va attendre avant de faire quelque chose, bien sûr. Ok. Être rapide. Il y a des technicités. Donc, l'autre là. Ah, c'est pas les mêmes? Je pensais qu'on aurait les mêmes. Là. Ah, les mêmes. Okay. Je pense qu'on est dans l'une. Lui-même ses 18 ans. Hein? Ça. Allez faire vos preuves. Ils ont refusé? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai manqué un bout là. What the fuck? I don't C'est-tu des négociations qui ont échoué, c'est quoi? Ok, donc voilà pizza. Donc ça devrait marcher, voilà pizza. Voilà pizza, ça a marché, c'est ça, je pense. Et là, ça a juste pas marché. Nice. Je comprends un peu mieux là. Lui, je peux pas signer tant que je peux pas. Complet, ok.
is water. Production, c'est ça. Nice. Un peu. C'est quoi que je pourrais un peu aider? Ça. Encore Foxy mon Gearbox. Électronique. Ça, moi, c'est pas ça urgent. Box. Nick. Cooling solution. Non. Voilà. Là, ça devrait aller bien avec mon moteur, parce que vu que là, j'ai un moteur qui est avantagé, avec ça, là, je devrais prendre de l'avantage. Surtout que là, j'ai des. Mes pilotes, je sais pas trop comment ils sont, bon, là. C'est pas les pilotes d'expérience, mais c'est les pilotes. Lui, j'ai plus confiance à lui que l'autre, là. T'as chopé? Fuck. Le driver il a refusé. Ah, ok, je comprends. Je comprends là. Parce qu'il y a déjà signé. Sponsor, check, négociation, stuff. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Technical level, defense position. C'est un peu bas, mais il y a 22 ans, donc peut-être pas si pire. C'est 14 $, oui, ça. Bon, qu'est-ce qui a échoué? At l'engine? Ah, mais intéressant. Et ça. Ouais, 8 h 10.
Setup. Ok, mais je peux savoir des infos ça. Ok, water track 33%. Ah, c'est quoi 33%? Je peux savoir une. Oh, ça ne... Là, c'est clair, la ciel, il est quoi, là? C'est 33%, donc je suis correct. Donc, je vais prendre derrière normal. Hop. Pour starter celle-là, et en milieu de course, je vais prendre des... une différence, celle-là, je vais le mettre. C'est vrai. Race? Bon, okay. J'ai toujours pas de sound effect. C'est ça, on a un peu d'infos qui s'appuie, c'est ça l'affaire. Et disent qu'il mouille. Ah, que okay, j'avais aucune idée qu'il mouille. Oh, regarde. Là, s'il pleut, c'est des pneus de même. Ah, combien il y a de gaz? Neuf. Tu vois, c'est la première partie que je fais. C'est un peu normal que je fasse des gaffes. Moins d'avoir le awareness. 60%. 100%, ok. Là, ça convient devant l'autre, là. Oui, il me reste de l'app là. 22.
D'attaquer. Je vais être sûr que je m'attends que je puisse pousser un petit peu plus. Là. Je vais me mettre à 3. OK. 15. Donc 16, ça a de l'allure. J'ai mal commencé ma course, j'ai comme tué ma course avec le départ parce que je savais pas que c'était quoi la température. Il n'y avait rien qui me disait que c'était de la pluie. Je pensais que c'était juste l'humidité. Je l'ai plus. Bon, moi j'ai 2 points là, mais j'aurais pu avoir plus que ça. Bon, au moins là je comprends. C'est la première course que je faisais, donc c'est un peu normal. C'est pas mauvais. J'aime bien là, le concept. Là. Bon, qu'est-ce qu'il y a à choper? Sponsor? La négociation avec les pilotes, ça va-tu bien, ça ici? Ouais. Ouais. Un autre course tout de suite? Ok. Je prends encore. Là, il pleut-tu ou pas? J'ai aucune indication ici, là. How to know if it's raining or not? C'est ça que je comprends pas, là. Et hop. Running encore. Calisse. Le rider, il dit rien. Tabarnak. Non. Non. Remove that.
Vas-y. Tu crois? T'es pas de ça, l'arnaque. Le con. Ce serait bien avoir le forecast, là. Une note finish. Ce serait bien avoir un forecast mieux que ça parce que le Water Raider, ça dit rien, pas doute. Le Water Raider ne marche pas, pas doute. Ça dit rien ici, là. Ça dit pas c'est des nuages, ça dit pas c'est des orages. C'est juste après. Depuis quand la cabane règne, il pleut tout le temps, là, tu sais. Bon, on est que ça pareil, là. Hop. Bon, ça a très mal été. Moi, le staff qui a signé. Mais j'aimerais savoir le Water Forecast mieux que ça, là. Probablement qu'il y a moyen de l'avoir, mais je comprends pas comment il marche. Ah, des news! Non, c'est pas marqué. Water forecast est pas là. Négociation, c'est ça. Okay. Négociation. Focaliser là-dessus. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu un sponsor, c'est ça? Et je sais ce que je vais faire là. Je vais mettre plus d'emphase. Wow. Plus d'emphase sur lui. Pas gagné, mais. Développé. Regardez, je suis pas sûr que ça s'est développé, mais ça va rester pareil pour l'instant. Et ça va se développer plus tard.
La Belgique. Y a-t-il moyen d'avoir le forecast pour la Belgique? C'est bien beau, courser. J'aime bien le concept de la course, mais si j'ai pas de forecast, ça vaut pas la peine. Donc, je perds mon temps. Ah, puis j'oublie d'augmenter. Crise de caf. Là, il annonce des pluies, je pense. J'ai compris, donc je vais faire ça comme ceci. Ça fait trois courses que depuis, c'est bizarre là, ce cas. Mettre à... Faut que t'aies un bon départ. Mettre à 30. Et tu as ça là. Bon, on a tous des tailleurs ouverts, parfait. Non, pas 38, c'est CAF. 33. Ouais, ça c'est ouais. Pas un pour économiser ses pneus. Bon, l'autre, 22, c'est ça? Ah, tout. Size. Ah, ça, size. Lui.
c'est... Non, mais safe. Ah, moi, il y a des points. Pensais qu'il aurait peut-être une... capable de mettre dixième, lui. On a développé le skill. Ça, je voulais faire. Regardez ce que je peux faire encore. Suspension. De là encore. Suspension. Un focus là-dessus. Négociation, ça va quand même. Ok, je vais le signer. Place de vous le signer comme deuxième driver par contre là? Mais les autres, je pense pas qu'ils sont prêts. Je vais faire continuer. Un peu vieux. Ne fais pas pire job. Il y a déjà un contrat. Ok. Une belle note perdre, ça veut dire. On m'en fout un peu. De ma 80, quelqu'un qui a de l'allure. C'est sûr que je fais des moves de débutant, là, c'est normal. Paulo. J'ai vu que le moteur est moins bon. Je pense à prendre quelqu'un qui est de l'overtake. Dans le rotten, peut-être. Dans le rotten, Jan's mother. C'est la question, hein? Ok. Je suis venu de perdre mon... Chris. J'ai perdu mon moteur là. Oh yes. Bon ben. J'ai vraiment fait une erreur de débutant là.
savais pas ce que je faisais, fait que c'est ça. Mais c'est la première partie, donc c'est un peu normal. Je respecte, j'ai même pas le temps de regarder. No water. Je comprends rien du radar par contre. Mais ok. Là, je sais qu'il n'y a pas de water, il n'y a pas de bleu, donc le qu'il y a le bleu, c'était pour l'eau. C'est pas évident à savoir ça. Il va commencer avec plus de gaz, mais dans celle-là, va faire 12. Ça, 21. Là, je l'ai bien compris. Il n'y a pas de pluie de prévu. Donc, je vais pouvoir. Ouais, ça devrait. Tire wear. Tu fais pas de tire wear. Et un, ça a de l'allure. T'enlèves ça. Il est combien de temps, lui? 12e. 12. C'est 30, ça. Pas 19, après. Septième, il est où? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Where is the 7? Wait, il est où? Ouais, il est là. Ok. Ouais, le reste de la course. Même un petit peu plus, je vais pas passer sur le gaz. À la fin. Là. Pas besoin de détruire mes pneus pour l'instant. Pit. Fuck. On vient lui.
C'est moins que 20. Okay. Je vais mettre pour 20. Dans le but. Pour payer sur le gaz à la fin. Le but, je l'ai comme trop usé, c'est venu. Le faire par contre là. Vois qu'il va être rendu pas mal au point de l'autre. On va le réduire ça là. Tour. Tac, tac. Bon. Gagner des points, moi. Motors. Ils disent que Motors est prêt à signer. Mais où ça? Toujours pas à l'aise, ça c'est clair d'être précis. Là. Voir qu'est-ce qu'il a chopé le sponsor encore tabac ouais tu mets tout le focus sur Endgame mais je vais pas le perdre pas la course. Ok, c'est un essai. Ça, c'était la course. Que l'amour. J'ai pas avoir de la réhabilité, mais c'est que j'ai perdu mon contrat. Et que j'ai pas su quoi faire avec. La cave. Mais j'ai compris le concept, là, fait que la prochaine partie que je vais jouer, ça devrait être mieux. Production. Nice. Nice. Encore l'endline par contre, mais. Transmolar. Sign.
entre des ingénieurs de course. Là, tu vas signer ton moteur. Race Engineer. Il est placé à sa prochaine, c'est ça? Il se retire. Méchante gaffe que j'ai faite. J'oublie. Bon, pas de water on track. Ok. Quinze, ça a de l'allure. Il va commencer rapide, il va faire un long, un long run dans l'ail. Oui. Je suis combien? 8e. Je suis ici. Toi, tu vas aller dans le médium. La petite glitch. Okay. Fait que, en fait, je peux pas faire la course rapide à ce track-là. Ah, ça glitch. Donc là, il y a Antonov et 14. Tu vas tout de suite aller au puits. Tu vas faire du high. Je fais ça, mais même il répond plus. Va attaquer un petit peu.
Oh non. Je vais être cancellé. Fuck. Moi, ça a mis le bon pneu, là. Antonov, 13e. Venez la course. 10. Wait. Pourquoi qu'il se fourrait dans mon calcul, l'autre, là? Parce que oui, moi. Fuck. 14. Ça? Ah, si je me suis fourré dans mon calcul, je vais tout pousser en malade mental. Mal été, là. Moi, j'ai le moteur. Nine. Engineer. Est-ce qu'il n'y a pas de signé, c'est ça? Ruben Falco? Ouais, Sergio Molina, par contre. Sergio Molina, ça peut être une bonne idée. Il quitte un maximum ici. Ah. Regardons c'est quoi les prochaines courses. Après la France, parce que la France elle s'est oubliée. Front wing, rear wing, underbody. Vu que mon char il lâche presque pas, donc je vais mettre ça de la qualité. La performance.
comme ça. J'aurais pas dû mettre le Royal Wing par contre là. J'aurais peut-être dû plus vite là. Pas de puits en vue. Start avec ces pneus là. 4. Start avec ça. Il va faire 43. Donc 42. Maximum, ok, bon, 41. 4, donc 23. J'ai un petit lousse au cas où que. Pour que je pèse sur le gaz ou qu'il arrive un problème. Neuf ça d'allure. Et mon chat 10. Et t'es au puits. Tu peux payer sur le gaz. Et où toi tu étais 13. 14 à 13 ici. Il reste combien de laps là-dessus? 33. Ouais, 33. On va mettre pas 34, mais faut pas peser sur le gaz à la fin. Ben trois, hein? Eh oui, ça grave.
Il me reste 6 laps. Un droit de plus. Ici. Moi aussi. Même pousser ça ici. Continuer à pousser. Pousse. C'est parce que j'ai pu. Parce que j'avais. La course, c'est en Autriche. Puis l'Autriche, ça c'était ça. C'était le. Front wing, right wing, underbody. Right wing, underbody, cooling. J'apprends. C'est le learning process. Bon, qu'est-ce qui a échappé? Il y en a qui m'ont glissé des mains. C'est ça? Next season, c'est ça. Moi, lui, dans une négociation. Serge Molina, Taf, et Singh. Ah, ça fait dur, j'ai vraiment downgradé mon écurie. La seule affaire que j'ai améliorée, c'est je pense que c'est mon designer, mais le reste, j'ai tout downgradé. Sponsor. Et c'est amélioré. Rien qui a bougé pourtant pour lui. Ah, oh, shit. Je pensais que ce serait prêt. De water. Cinq. Ton maximum. 35. Pas le choix de faire ça même. J'ai pas le choix de faire 3 arrêts quoi, du 75, 77. Antonov. Dommage. Toute ma course est concentrée sur lui.
Allez. Le 11e. C'est une course à trois arrêts, fait que moi j'ai pas le choix d'en faire le troisième. Il espérait que améliorer mes ailerons, mais ça a l'air que je pourrais pas. Je pensais que ce serait fait. Yo, moi là. 9. À 8. Sept, c'est ça. Bonjour, neuf, c'est ça. Je me vois pas, faut que c'est. Je devrais finir la course de même. D'accélérer éventuellement. Voilà. Pas de ça, par contre, là. Voilà, switch l'engine, je vais attendre. Six. Non, pas six, c'est cinq. C'est parce qu'elle est plus. Oh. C'est vraiment underwhelming. Bon, mon staff et mon sponsor. Parfait. Là, mon staff est signé pour l'année d'après. Mais j'aurais dû mettre l'emphase sur le moteur dès le départ. Donc là, ça augmente, là. C'est peut-être aussi horrible que je le pense.
Il manque des sponsors, c'est ça? Ils m'ont pas dit oui? Yes. Voilà. Ça, c'est l'Allemagne. Pourquoi ça va être prêt pour le Grand Prix de l'Allemagne, par contre? L'Allemagne, c'est quoi? Taipod Break. Ok, donc c'est vraiment pas ce que j'ai. Australie. Non, c'est vraiment pas ce que j'ai misé. Water and track. Donc, water. Yes, bonne. Ouais, pit stop. On va faire 45 laps, j'ai pas plus 45 laps, fait qu'on va diviser 2. Safe. Là, toi, t'es 16. Tour. 23, c'est ça? Voilà comment ça a géré ici. Encore à 27, puis que j'ai fait plus de tours. Donc ici, c'était pas grave si je le laisse allumer.
Asti, j'ai mal géré mon affaire là. Combien de tours ça c'est? Oh, 8 tours. Ah, je l'ai pas fini. Les 10 premiers. J'ai essayé par contre, là, mais j'ai pas fini. Mon choix n'était pas prêt. Les deux sponsors devraient être prêts, là. Il y en a juste un qui... C'est un bug ou quoi, là? Même pour l'Allemagne, il n'est pas prêt. Okay. Ça va être quoi l'autre après? Australie, c'est pas ça. Donc, il faudrait que je me... Build pour ça. Build pour le... La Bretagne après. Front wing, underbody, cooling, break. Box. De pluie, parfait. Et voilà. Ça, je vais miser sur l'endurance. Je suis où là? Je suis 7e. Débute. Je pense que je peux faire le tour complet. Non, je peux pas. Pas ça. Il reste 40 tours. Là, je vais tout faire comme ça pour qu'à la fin, que les pneus je puisse bouger à fond. C'est plus tard. Même pas, mais... Oh. Peut-être mettre une petite affaire.
9, 11. Parfait. Le 23, c'est ça? Techniquement, je pourrais le faire avec ça. Ouais. Juste que je fais pas de niaiserie. C'est juste derrière lui. Monsieur, ici. Regardez si je peux faire vraiment deux laps. Non, je peux pas. Ça va être ça. Et ça va être 13, si j'ai bien compris. Que ça, je peux payer sur le gaz vu que j'ai 7. Aussi, je peux. J'ai essayé de dépasser l'autre, mais je manquais de pneus. Ça aurait été cool de l'avoir dépassé, par contre, là. J'aurais eu un point. Bon. Tous mes sponsors. Mais ça sert à rien de l'avoir autant, par contre, là. Ici, puis ici, je peux pas rien mettre. Ça, donc. Viser ça. Ça, c'est dans combien de semaines? Une semaine. Front wind on the body, cooling, break. Front wing on the body, ça. And the body cooling break. À 9 semaines.
devrait être prêt pour la course. Je suis pas trop sûr ce que je fais, là. Best tradition. What is that? L'allée? Ça s'est avancé. J'ai tout avancé pour cette année, mais j'ai rien avancé pour l'année prochaine, c'est ça? Ouf. Ok. De l'appui, donc c'est neuf. On paye comme startup et on appuie, fait que des watts, parfait. J'avais peur que ce soit des intermédiaires vu que lui est. T'as fait un petit peu plus longtemps, donc faire une petite affaire. À maintenir la cadence, je le lâche un petit peu. Wow, wow, wow. Ça a l'air que je peux aussi te peser sur le gaz. Puis. T'as peu. 30. Je pourrais finir la course avec ce pneu-là, là. Ben oui, il me reste 131, là. Non, pas 31, c'est 29. Ah oui, 29. Je peux faire ça avec 29, ok. Ça serait... Alors, 5. Je vais enlever ça par contre là. Qui dépasse l'autre. Il est dépassé, donc ça.
Tonov, t'es trop loin. Tu vas pas déposer d'autres. Hein. Je vais peser sur le gaz. Attends un petit peu. Pèse sur le gaz. Pendant que t'auras des bienvenus, là. Je vais lâcher le gaz. Je vais lâcher les gaz. Mettre le paquet ici par contre. Moi aussi. Yes! Second pilote, non, mais premier pilote, oui. C'est pas, c'est quoi, c'est-tu un bug que ça fait des autres équipes? Je sais pas. Difficilement faire le suivi, ça va faire. Les options que j'ai ici, j'ai très peu d'options. Je me demande que c'est un bug. Là. Je pense qu'il a augmenté lui. Il était à 38. Lui a augmenté à... Ok. Juan Garcia il a augmenté. Mais là, t'as pas augmenté? Spécial ça? Une séance de test, que c'est pas si grave. J'ai l'impression que, arrêtez, qu'est-ce que j'ai négocié plus tôt, ça marchait encore, mais ça a comme buggé. C'est comme si les autres ont signé, mais ça a comme continué à faire comme si j'étais encore en train de négocier avec eux. Je ne verrai pas c'est quoi sinon. Bon, pas de puits prévu. Quoi tu peux faire? Il roule comme ça. Ça pour faire une belle fin de course. Hein? Là, pour l'instant, je ne fais même pas de pression sur rien parce que là, j'ai vraiment mis pour qu'on use des pneus. C'est ça la stratégie, là. C'est qu'on... On met une pression ces pneus. Je pense que je peux mettre une petite affaire ici. Ça serait 40, ça. Mais non. Il reste environ quoi, 45. On va se dire qu'il fait 30 comme ça. You Antonov. On dirait qu'il est rendu. Il est rendu disparu de la liste.
j'ai mes pneus avant de. Fuck. C'est vraiment sous-estimé. Okay. 30. Neuvième. Je vais changer de suite. Okay. 19. Quand même 18. Je vais attendre d'avoir usé mes pneus parce que ça a l'air qu'ils usent facilement à ce course-là. Ouais, 10. Je les change. Pas le choix. Je vais faire ça par contre. Quoi que c'est mis à 15? What the fuck? Ah, c'est du gaz qui s'ajoute à ce qu'on avait déjà. C'est normal, con. Pour ça que je t'en veux, ok. Je comprends, là. Ok. En fait, j'ai aucune idée ce que ça fait. Ça, pis ça, là. Ça, d'abord, j'imagine que c'est. Ah, ok, je pense que j'ai compris. C'est pour la production. Je fais des pièces bois. Parce que c'est pas assez élevé. Ça. La saison 2020-2021, je l'ai fait améliorer la fiabilité toute la gamme. Ils sont beaucoup trop bas. Ok. C'est la prochaine. Non, c'est ça. Là, je l'ai déjà pour l'Espagne. L'Espagne qui avait besoin de quoi? Et là, l'eau toilette, je reviens.
fin de la fois, je vais sûrement jouer jusqu'en Grande-Bretagne. Puis après ça, mais. Je pense qu'on aura. L'heure juste. Puis peut-être lundi, je vais refaire une autre partie. Mais maintenant que je comprends comment le concept, peut-être lundi, ça va être meilleur. Bon, là encore, wet. Wet. Parce qu'il y a un autre du wet tout le long. Parce que je viens de comprendre ça. Qui dit wet, dit pneus qui vont prendre du temps à s'user. Comme ça. Là, je peux accélérer un petit peu. Bon, ok, là je viens de perdre mon second pilote. Techniquement, je pourrais faire la reste à course 33. J'enlève ça. Laissez faire. Ça sert à rien de regarder la course. Faut que ça accélère un petit peu pour pouvoir perdre des corps, une petite affaire. Bon, je viens de réaliser que j'ai pas assez de gaz jusqu'à la fin. Donc, j'ai dû mal calculer de mon affaire parce que j'ai pas assez de gaz jusqu'à la fin. Sera 9, donc il faut 8. Ça, donc si, donc si en fait j'ai bien compris, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, ça s'est rajouté. Donc si je mets ça, ça devrait faire un lap de plus au lieu de faire 9 pour que ça passe 10. C'est ça. Ben là, ça, je suis de gaz. Et là, je viens de perdre la course parce que je manque. Pneus. Bon, moi, il y a eu gagné du stamina, mais je l'aurai plus la saison prochaine. Bon, donc là, ça devrait aller. Donc, la façon que j'ai upgradé mon char, ça devrait focaliser pour cette course-là. Mais la saison prochaine, ça marchera pas, mais oui, je ne jouerai pas la saison à Paris. Hein, que... Maintenant que je comprends un peu plus le concept. Ah, shit. Moi, tout le temps dans le jeu là, c'est quoi cette affaire là?
Non, je pense que je vais beaucoup trop haut par rapport à ça. Je vais continuer à peser dessus. Et ça suce comme on dit. J'ai chance numéro combien là? C'est 11e. 10, 10, 10. 10. 8. Trente. Au pire, le gaz d'over peut peser un malade à la fin. Il fait soleil. Elle a pas vu le forecast. Ah, il y a eu ses pneus là. Vite ton essence, ouvre tes pneus, vite ton essence. Ben, dernier tour. Tu vas au puits. Ça. Pas de gaz. Ça. Donc là, ça devrait pas remplir. Si j'ai bien compris. Parce que tantôt, dans le fond, ça n'arrêtait pas d'ajouter. Donc par logique, ça devrait être correct comme ça. Parfait. Bien fait. Et sur le gaz. Pas trop. Et sur le gaz. Oh. Cool. J'ai un point. Donc ça a bien marché comme. Donc ma stratégie que j'avais pensée tantôt, ça a marché. C'est juste que j'ai comme pensé trop tard. C'est pour ça que là, ça a échoué. Mais ça a quand même marché par rapport au fait que j'étais bien en retrait par rapport au reste du lot. Techniquement, il resterait ça. Il resterait trois courses. Je peux y faire trois courses. Je peux y faire. Comme ça, comme ça, je vais pouvoir voir le off-seasons et voir mais comment que ça marche. Pas de puits en perspective. Ça dure 15 laps. Ça veut dire que les pneus vont s'user rapidement. Si les pneus s'usent rapidement,
serait mieux de commencer comme ça. Même s'il va être un peu ralenti au début. Dans le but d'avoir deux pneus à la fin. Accélérer. Et pour toi, 27. 26. Glitch. Un style de glitch. Ça vient de coûter la course. À 52, c'est pour ça que je vais pouvoir finir la course avec un pneu plat, un pneu soft. Ah, je sais pas si j'ai le temps. Si rendu ici, je l'aurai en deux laps, c'est correct. Plus correct, mais de borderline en esti. C'est 17, que okay. Ouais, 10. Ah oui, mais pas l'autre. Okay. Sept, je vais avoir une petite affaire à mettre bien sur le gaz.
Ok. Je peux pas faire mieux, là. Monaco, ça j'imagine ça va être des courbes, le front, c'est ça. C'est bizarre que je fasse que je puisse pas faire de stratégie pour la calife là, t'sais. Mais là ils veulent d'appui, fait que c'est l'appui. Comme ça. Et voilà. Je vais les laisser travailler. Chez Monaco, faut pas que je pousse trop fort. Parce que sinon, mon char va pogner un accident. Du moins dans une vraie course. Parce que Monaco, c'est reconnu une place pour... C'est reconnu pour être une place où est-ce que le monde peut avoir des accidents horribles. Anyway, dans une course où est-ce que c'est aussi serré, ça sert à rien de faire trop de vitesse dès le départ parce que plus que... On... Fait que plus qu'on va pogner des accidents. Parce que plus tard, lorsqu'on va avoir moins de char, c'est le bénéfice de 1, lorsqu'on va avoir moins de char, mais là, dans le fond, je vais pouvoir avoir. Peut-être là, dans le fond, je vais pouvoir pousser plus. Parce que je vais être. Il n'y aura pas personne devant moi pour me bloquer. Bon, 12e. Ouais, là, je peux le pousser un petit peu. You, là. 12e, you. T'as rendu seul, c'est correct. 11e. Et 11e. Ah, tu sais. Le forecast est toujours en mode haut. Aussi, tu dois. Tu sais. Oh, le forecast est en train de réduire, bon. Je suis combien? 11e. Non, je vais le changer tout de suite. Je vais le laisser en mode haut. Mais je vais faire... pour qu'il finisse en mode... plus... Parce combien de tours, là? 35. Soit 17 ou 16. J'ai volontairement réduit. Dans le but que. Parce que l'eau s'en va. J'espère que ce ne sera pas juste pour finir. J'espère que ce sera pas pour finir après la course. Fuck. J'étais trop concentré sur l'autre gars là. Ça 13. Ça commence à se réchauffer, c'est ça que je pensais. Même tout mettre là, laquelle. Je suis combien de temps, là? Je suis 10e.
Je suis où ça la course? Ici. Ok. Ouais, médium, j'ai pas le choix. J'aurais voulu attendre une petite affaire de plus pour mettre les sorts, mais là, le nombre de tours, le pourcentage de tours, pas le choix. Donc là, je suis à 19. Je passe 19 tours. Ouais, tu peux faire ça par contre. 15, ça ferait 70. Donc 16. J'ai essayé, mais une 11e. Parce que j'ai fait un arrêt de trop. La dernière course là-bas? On va tomber dans le off-season. Vu que j'ai jamais de gros départ, je vais faire ça même. 5. Oh, ça a de l'allure. Le Japon, il, ça pourrait mouiller en venant de la course, vu que là, c'est sur le bord de l'eau. C'est sur une île là, qui mouille tout le temps. Tout ce qu'il y a moins d'accidents que les que Monaco dans la vraie vie, fait que. Ouais. C'est ça un peu. 11e. Un peu chaud là. 11e, ça. 11, 11, 11. Ici. Ok, je prends le pas de risque. Oh, c'est 20.
10. Là, ça devrait être pas si pire. À la fin, je vais peser sur le gaz. Commencer un peu à peser sur le gaz ici. Peser sur le gaz à cette heure. Là, je peux essayer le gaz en malade. Peut-être obtenir une 9e, mais non. J'ai obtenu une 10e, au moins j'ai un point. J'ai essayé. C'est bizarre qu'ils soient ensemble. Pourquoi que c'est pas séparé? Je sais pas. Quand est-ce que la next season commence après la 52? La off-season commence après le prochain tour. Donc, logiquement, je devrais voir c'est quoi les. On satisfait. Moi, je suis en tabarnak à la place de ça. Ok. Voudrais donc je devrais focuser là-dessus là. L'online que j'ai, c'est quoi là? Molnar. Ce sont les deux. Par logique, c'est ça que je prendrais. Personne a baissé. C'était pas une tant de mauvaise idée d'avoir changé de chose. C'est encore le top par contre là. Et Richardson le top. What? Merci mes jeunes.
Ça va à quoi d'investir dedans? On suit là, moi? Les jeunes que j'avais. On va dire. Training? Là. Elle avait traîné à 1h38 là. C'est ça. Les cheveux, ça disait. Every year, a driver reaches the height of the limit, you can buy a seat for him in one of the lower temperature. Ok, mais. Quoi qu'ils sont là? What the fuck? Ouais, c'est pas ma priorité là. Ça, c'est du gaspillage. Là, mon focus, c'est ça et ça. On va faire ça. Savoir comment ça se passe. Ah, ok. Variability. Ouais. Ok. La postpay, notre. Maison commence à partir de quel? 7e, 14. Moi, j'ai amélioré pour la saison en cours, la réhabilité, puis la saison. Ben, oui, anyway, je pense que je vais recommencer une nouvelle partie pour lundi, je pense. Si je ne fais pas de mode multijoueur lundi, c'est ça que je vais jouer. J'aime bien le jeu. Fait que, c'est sûr que là, j'ai fait un méchant fail parce que j'ai débuté. Mais j'aime le concept. Donc, c'est sûr que je vais leur jouer. J'adore le concept. C'est exactement mon genre de jeu, ça. Négociation, engine, sir. Le voir si, si la fois j'allais réussir ou bien si le CPU était truffé pour me voler mes deals. Mais je pense que je peux l'avoir. C'est sûr, là, je vais être bien le dernier, là. Ah, cool. Nice. Par logique. Je pense pour ça. Est-ce que je mette le focus?
de sponsor pour pouvoir avoir de l'argent. Aussi. La présence à la commence. Je vais tout signer les autres. J'en ai pas de mon sponsor. Ok. Donc le jeu il est fait pour pouvoir que ce soit trop difficile. Ratio. Mais le point qui me manque là. J'ai compris, il me manque 13 points. Donc. Non, plus que 13 points. Et j'ai de la place pour. Temple. Alfred. Oh. J'ai même pas le temps, tu sais. Les dés sont pipés. Mon concurrent que le premier, c'est celui qui est le plus fort, tu sais. Quoi ça? L'énergie naturellement, c'est lui qui l'a eu. Fly. Bon, je n'ai pas vu Clausen. Morgan. Bon. J'adore le concept, mais je sais pas si je vais vraiment le jouer lundi. C'est comme la fois depuis tantôt, je sais que je vais le jouer lundi, mais je suis pas sûr de le jouer lundi. Parce que, comme vous l'avez vu, le jeu est arrangé pour que même quand on a un deal, mais il disparaisse parce que c'est ah, parce que quelqu'un d'autre parce que CPU, donc il y a eu un avantage sur nous. C'est alors que le même tour que nous autres, mais le CPU a avantage sur nous autres. Ce qui est ridicule, là, parce que là, ça s'appelle cheater. Malheureusement. Mais bon. C'est quand même cool comme concept, mais il y aurait besoin de travail. Il y aurait besoin de plus de travaux. Donc c'est positif. Donc oui, dans le fond, je conseille le jeu dans le but d'encourager l'auteur à faire en sorte qu'il update, parce que plus que les gens vont l'acheter, plus que l'auteur va se dire waouh, ok, donc il y a de l'intérêt pour mon jeu, donc je vais continuer à l'updater, puis le rendre super bon. Puis ce jeu-là, dans le fond, s'il devient, dans le fond, que c'est assez updaté, il va devenir super bon. Fait que, encouragez-le. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que moi, je reviens demain avec le jeu Village. Donc, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais je pense que c'est un jeu RPG, mais je suis pas sûr 100%. Fait que, on jouera ça demain. Puis pour lundi, mais j'ai pas décidé si j'allais faire un deuxième épisode de ce jeu-là, ou bien j'allais jouer un autre jeu. On verra lundi. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, passez une belle soirée tout le monde, et on se revoit demain.